Bon bah bonjour. Alors dans la série on aime les modes. Un autre mode que je vais pouvoir vous présenter, c'est un mode qui change l'équipage des tanks dans World of Tanks en les remplaçant par des personnages d'animé. Les voix vont avec, d'ailleurs on va pouvoir le tester assez vite. Et on va le tester sur quoi? On va le tester sur... On va se faire un petit truc un peu rapide. On va le tester avec le... Qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, j'ai aussi installé les modes qui modifient un petit peu l'interface. Les modes de Thor, ils s'appellent un truc comme ça, je crois. Qu'on utilise habituellement. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, pour commencer, le T1 Cunningham, hein. Allez hop, je sais pas, il n'y a pas un truc qui équipe automatiquement les... Ok. Ok, et ben on va y aller direct. Je sais pas comment elles sont du jeu, on verra bien. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Donc faudra être tolérant. Mine, ouais. C'est pas ce que je préfère avec le Cunningham, mais bon. On va voir. Que des niveaux 1. Donc on doit être tranquille. Et en face, ils sont en équipe de 3. Et on démarre en haut. Enfin, je veux dire en bas et sur la hauteur. En bas de la carte, sur la hauteur. Ah, c'est-il pas mignon? Les petits doigts. D'aller derrière le truc là-bas. Ouais, allez. Peut-être qu'on va être plutôt derrière ce là-bas. Alors, on est rapide. On va vite. Pour l'instant, on est à 3-0. On essaie de me tirer dessus. Et c'est raté. Magnifique. Mais j'ai scouté un terrain qui est là-bas. Donc, il est derrière. 3-1. De mettre derrière l'autre qui est là-bas maintenant. Allez, on y va. D'accord. Sur les hauteurs, de toute façon. Allez, ils sont toujours derrière les rochers. Alors, il était où l'autre terrain? Il était par là. Ouais. Oula.
Ah oui, bah, oui. Mais peut-être que mes potes vont le finir. Allez, allez. Voilà, merci. 7-7, c'est pas... C'est pas terrible, ça, mais bon. Mais les voix sont sympas, non? Hein? Les voix de mon petit équipage. Ah, ah, 8-7. Est-ce que ça va être bon pour nous? Oui, il faut peut-être avancer un petit peu, André, machin, là. Voilà. La guerre des au-dessus. Allez. Il y en a un qui est bien exposé là. Oui, celui-là vous allez pas couper ça. Allez. Alors il faut viser un peu mieux, mec. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Médium ici qui voit la base, mais voilà, il est bien bougé, mec, t'as bien raison. Sniff. Bon, on va pas attendre la fin, ça peut être un peu long. On sort, retour au garage. Bon, on a réussi un petit peu à faire 2-3 trucs, c'était déjà rigolo. Ensuite, on va jouer le... Tiens, on va jouer les Français un peu. Est-ce que le D2, je l'ai fini? Ouais. Le B1, il est comment? Parce que j'avais dit que j'aimerais bien jouer français. Alors, le B1, on en est où? Ah bon, on a tout en fait. Il manque juste de quoi acheter le BDR G1B. Et bon, on va essayer de jouer un peu le B1, tiens. Allez. Le B1, donc on rajoute le filet de camouflage. Ici, le télescope binoculaire. Télescope binoculaire, je ne peux pas. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Ah bah non, je suis pas... Ah bah oui, il est en partie. Bah oui, le Tuninga étant en bataille, je peux pas récupérer son équipement. C'est pas grave, on va jouer sans. On va jouer sans. Sympa World of Tank. Il y a un autre jeu de tank qui a l'air beaucoup plus réaliste, machin, mais je trouve que ça fait plus cartoon, plus arcade, quoi, hein, pour employer les expressions qui vont bien. Et moi ça me plaît bien. Le côté plus arcade. Bon, alors, nous on est un gros, hein. Ouais. Que du niveau 4 et du niveau 3. Très bien. Et là, c'est quoi? Oui, là, c'est... J'adore. Ah merde, il arrive là-bas, lui. Il arrive là-bas.
Nul. Nul, nul, nul. Oh, il a perdu ses chenilles, l'autre. On va essayer d'avoir une visée. Pas son copain. Pas d'explosifs, enfin des... Là, c'était un peu chaud. Je suis un petit tout seul. Hein. Voilà. C'est un petit rapide. On en a un là. L'autre qui arrive là. Je sais pas si il y a quelqu'un ou pas. Alors, de toute façon, on est mal barré. Oh, là, il y a un Redzer qui est dans le coin. Je peux peut-être soigner un de mes gars, non? Regardez trop loin, j'ai pas vu lui. Dilip quoi. Dilip. Il est où ben, là. Ouais, il est mort, ok. 5-7, c'est pas perdu. Merde ma ferme, oh non, merde ma baraque, vous êtes chier les mecs. Ah, y'en a un autre là-bas là. C'est notre base. Quelqu'un d'autre l'a eu. Ok, good. Là y'en a un ici. Oh, on est revenu vite vite. Ton petit pote. T'as pas la conscience tranquille. Au sujet. Mais je m'en fous, je tire assez vite. Hein. Je fais pas très mal, mais je tire. Oh merde, c'est barré. Attention, faut faire gaffe. Voilà. Je suis un gros, moi. Allez, je suis un gros. Je vais foncer dedans. Il y en a d'autres derrière là à droite. On va faire gaffe. Il n'y a pas un là. Je vais prendre un revers. Ah, il reste deux artilleries. Bon les mecs vous allez vous les coinfrer ça. Ah. Ouais, j'essaie de me pécho le mec par derrière là. Je suis lent.
pas du tout ce que j'ai perdu, mais alors on va quand même essayer de soigner quand même. On va soigner quoi? On va soigner le 2. Tireur, c'est quand même un peu important. Allez. 13-10, on est bien. Il reste le 2, ils sont par là. Je suis lent. Il reste plus qu'un, il lui tourne autour, ouais, bon, à mon avis c'est... Autant que j'arrive, j'arriverai après la bataille. Ah, quoique, il a réussi à le tuer. Alors c'est quoi, un T40? Ah, j'ai mal au doigt à force de tenir appuyé. Il m'a eu ? Oh le bâtard ! Le bâtard ! Il reste plus que deux artilleries contre lui. Bah bonne chance tes mecs. Ah merde, j'ai joué au con là. Ouais, c'est de la faute, j'ai merdé. C'était bien placé et tout. Et... j'ai plus beaucoup de points de vie. Ah, dommage. Bon. On va pas attendre la suite. Hein. Retour au garage. On retourne au garage. Enfin, les voix japonaises sont très sympas quand même, hein. Des personnages animés, franchement, il n'y a pas à se plaindre, c'est sympa. Puis j'espère que ça couvre le bruit du lave-vaisselle, qui, comme à chaque fois que je stream, je mets le lave-vaisselle, je sais pas pourquoi, souhaite. Alors, on a perdu sur mine. On a perdu sur mine, mais j'ai eu une médaille, je sais pas ce que c'est. Infliger plus de dégâts aux véhicules ennemis, super, bon bah écoutez, on a un peu eu d'expérience et on a gagné un peu de thunes. Ce qui est pas mal. J'ai été détruit par Chobik22. Comme quoi, il n'y a pas de 1. Alors, on va jouer quoi? On va jouer quoi? Donc, notre B2, il est en bataille. Artillerie, c'est peut-être un peu chiant à montrer. C'est un peu... quoique... Lorraine... Ouais, mais alors je peux pas avoir mes trucs de camouflage machin. Et peut-être que le binoculaire c'est. Artillerie de niveau 3. Ouais, j'avais envie d'essayer de monter d'artillerie un peu. Enfin, je sais pas du tout où j'en suis de la recherche. On va voir si j'ai un peu de chance de. Ah, je suis à fond. Je suis au taquet. Ah, et puis j'ai déjà un peu d'expérience pour avoir le prochain. La MX-105. On va essayer ça, tiens, allez. On va essayer ça. Est-ce que j'ai un truc dispo? Bah oui, j'ai le télescope. Non, les deux? Comment se fait-il? Ah oui, bah tiens, j'ai les deux. Bon, allez, let's go. Artillerie. Je sais même plus comment est-ce qu'on va sur la carte stratégique pour tirer. Clic droit, peut-être, je sais plus. Ah non, clic droit, c'est... Merde. Échappe. Non. Notre équipe. Attends, un Churchill 3 KV1? Oh non. 4, 5, 6 Non, 3... 3, 6 Ah non, 3-5. Bon, bah on va faire un peu de figuration. Alors, on va essayer de se planquer. Je ne sais pas où, peut-être derrière là-bas. Alors, si je dézoome... C'est pas du tout ça. Ah hein. Oh, purée, je peux dézoomer vachement. Hein. Bon, donc on a dit pour reculer. Comment est-ce qu'on va sur l'interface? J'ai peut-être dû regarder avant de... Bon, il y a notre artillerie avec moi, ok, je vais me déplacer comme ça, parce que sinon... Je vais mettre 3 plombes, ça m'agace d'enculer. Alors, lui va où? Je vais par là. Je
Alors, ça c'est trop rapide, lui il vient nous chercher. J'essaie de se faire nos fesses lui. Mais bon, les mecs, allez-y, allez-y, fritez-le. Voilà, merci. On n'aime pas du tout ça avoir des mecs. Bon alors l'interface B. On va tout essayer. Hein. Tab. Tab non. A, Z. Ah oui, il y a une avancée automatique. Genre. Ah, il y a un mec par là-bas. Ouais, bah alors si je peux pas. Je vais pas tirer au jugé comme ça, non. Ah, bravo le boulet, quoi. Alors ça, ça fait disparaître ça. Bah, c'est quoi ça? Ah, ça fait disparaître toute l'interface. Contrôle. Non, contrôle, c'est ce truc. Shift. Non. Supre. Ah purée, c'est supre. Ok, alors on va essayer d'y aller là. Ah, lui, ça fait des pop. Ok, donc on va rester dans cette vue là, parce que c'est la vue de. Donc c'est par là qu'il y avait l'air d'y avoir du monde. De toute façon, il y a leur base par là. Ah, quoique là, il y a quoi? Il y a un peu de monde là ici. Si on peut essayer de tirer par là. Alors, je sais pas s'il va être déjà bougé ou pas. Bon, c'est long à reload. Hein. À moins que là, il y a un SU machin. Il va se faire défoncer, je pense. Ici il y en a encore un, est-ce qu'on va pouvoir tenter des choses? Oula oula oula, il y a un mec ici là. Donc on va sortir de cette vue là, on va passer en vue normale et on va essayer de se le faire à la main. C'est moi ça? Oh la vache! Ah ouais, non, ah ouais. Bah ouais, mais mec, c'est pour nous défendre un peu. Ah là 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 là. 5 sources de protection, t'as bien raison. Bon, j'ai quand même fait 73 de dégâts sur la MX, bon. Et maintenant les mecs, ça va être chaud, hein. Chaud du slip. Hein. On sort, retour garage. On va voir ce que ça a donné sur la bataille l'autre, mais ça m'étonnerait que les deux artilleries réussissent à détruire le le char qui restait, qui était un char moyen. Pas difficile. Enfin, on va voir ça. Mise à jour du garage. Victory, ils l'ont eu les mecs. Oh, génial. Alors, victory, victory, victory. J'ai pas eu de médaille, mais j'ai eu un peu d'XP, ce qui est très sympa. Ouais, j'ai fait un peu de détection. J'ai... J'ai participé à la destruction. Ah oui, non, c'est moi qui l'ai détruit en fait. C'est moi qui l'ai tué. Et ouais, c'est pas mal. J'aime bien moi ce. On va peut-être continuer à le jouer. Alors attends, parce que si je reprends le B1, ici, il me faut quoi pour avoir le suivant? Le suivant qui est le BDRG1B. 15 000. Et j'ai 2000. Ah non, 1300. Ok, bon, il y a un peu de taf à faire. Un peu de taf, mais on va le jouer, il est bien. Ah, alors le problème c'est que je veux pas récupérer le binoculaire parce qu'il est en bataille. C'est pénible ça. Pénible, pénible, il faudrait que j'attende que la bataille se termine, mais bon. C'est toujours un peu long. En attendant, je pourrais peut-être vous montrer d'autres trucs. Qu'est-ce que j'ai de sympa, c'est... KV85, niveau 6. C'est quoi ça? C'est la suite du KV1 en fait. KV1. Parce que je croyais qu'il y avait le KV1S. Mais... Ah oui, il y a le KV1S et le KV2. Qu'est-ce que
que c'est que ce char? KV85, recherchons. Ah oui, j'en suis qu'au tout début. J'ai pas encore d'armes dignes de ce nom. Il faudrait que j'augmente ma tourelle. J'ai encore, en revanche, déjà pris des chenilles. Donc ça, c'est bien parce que ça me permet de. Ah, on a perdu sur l'autre, mais ça, c'est logique. Mais bon, j'ai fait quand même un peu d'XP. Hein. J'ai juste fait juste des dégâts sur l'autre. Bon, on va pas jouer tout de suite le KV80. On va pas jouer sur les trop hauts niveaux parce que. On a un peu de mal. En revanche, je peux jouer le KV1. C'est toujours une valeur sûre, le KV1. Allez, KV1. Donc, on prend le filet de camouflage. Et les trucs binoculaires. J'ai acheté que ceux-là parce que c'est ceux qui peuvent se passer d'un. D'un char à l'autre. Les autres, faut les acheter pour chaque. C'est pénible. Alors, ceux-là, on peut les transférer. Voilà, en plus, on a un petit skin dessus. Très sympa. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je crois qu'il y a des chars chinois n'ont pas de personnage japonais. Donc, c'est bizarre quand on regarde un char chinois, on voit que son équipage est. C'est pas du tout des personnages d'anime de ou de manga. Pardon. C'est un peu particulier. Alors, on a du KV1, du KV1 Excelsior. Ça va être un premium, ça, je crois. Ok, ok. Oh, il y a des mecs en team de chaque côté. Enfin, en duo, en tout cas. Ce qu'on faisait avec Maxwello à une époque. Et que j'espère qu'on refera. Surtout, ça lui redonne envie. On en avait déjà parlé, ça lui avait déjà donné envie. Alors, là, je sais plus du tout ce que c'est comme carte, ça. Alors, ça, on passe par là-bas, mais c'est un peu loin de tout. Ouais, mais en même temps, ça s'appelle c'était des espaces bien dégagés, puis je suis pas trop lent, hein. Trop mignonne, hein. On va suivre les mecs, là. Frédéricos, ça m'a l'air bien. Alexonimus. C'est vraiment un spartiate, hein, quelqu'un comme ça. Bon, un romain, plutôt. Mais je ne suis pas romain. J'étais pas trop lent, je me fais doubler par tous les mecs. Non. Ah, ils sont sur la route aussi, je suis sur le terrain, donc c'est sûr que ils vont un peu plus vite sur la route. Ils sont au taquet là, ils en veulent. Ah oui, il est monté par là. Il est monté par là. On va faire le tour. De toute façon, on n'a pas d'artillerie, donc on s'en cague de. Les mecs viennent chez nous. Oh, purée, ça monte, c'est chiant. Ah, il va carrément par là, ok. Carrément. D'accord. Ok, on a déjà eu un mec. Je positionne bien ma main sur la souris. On va pouvoir zoomer, dézoomer, cliquer. Il y en a juste de l'autre côté. Genre. Qu'est-ce qu'on tire dessus? Ah, il y a des bâtards là-bas. Il est d'accord qu'ils n'ont pas d'artillerie. Hein. Ouais, ils sont derrière. Là. Je ne vais rien faire d'ici. Il y en a qui nous tirent d'ailleurs, mais je ne vois pas trop. Méfier 4-3 déjà, oula, ça fight! Ça fight, moi je suis là à glander, essayer de rejoindre un champ de bataille quelconque. Ah oui, tout le monde se met derrière là, c'est pas mal, on peut avoir une bonne vue là, derrière les arbres, sous les petits mecs là. Ils sont derrière le rocher là, ok. Derrière le rocher, on va y aller aussi derrière le rocher. Et ça fait des pogs. Essayez de pas toucher les arbres, c'est vrai que c'est. J'avais un gus par là, je crois. Allez, je vais avancer un peu parce que.
pas touché les arbres, j'ai dit. Je scoute un peu quand même. Il y a une autre caverne ici. Et comment? Juste là. On va tenter un truc. J'aime pas ça. Ah, je me souviens plus déjà, c'est comment? C'est 4, non, c'est 5. Non, c'est 4. Alors, échappe. 4, 4, 4, 5. Ok, ok. Ah, j'ai surfait encore défoncer un truc là. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui me tire dessus là, je vois rien, ok. Bon. D'accord, bon. Un peu loose, hein, celle-là, j'ai merdé. Il y en a des comme ça où on fait rien. Faut pas chercher. De toute façon, ma team était pas super bien barrée, de toute façon. Donc... Qu'est-ce qui m'a tué? Ah, lui, il peut essayer le KV1 là. Tu peux même l'empaler. Que j'aime bien les armes qui tirent vite, moi, parce que voilà, il l'a eu, c'est pas mal. Alors, ah, mais si on a une si, on a une artillerie, pardon, j'ai dit des conneries, deux artilleries même, un sexton et un qui n'est pas un sextoy, attention, hein, ne pas confondre, même si il y a des parties qui pourraient éventuellement laisser penser que, mais non. En 9 à 11. Allez, il y a un priest. Allez les mecs, le KV1, vous pouvez essayer de vous goinfrer. Ouais, bah lui il va foncer direct. Essaye de te faire de face. Oh, nickel. Bon, tu t'es fait avoir, mais tu l'as quand même un petit peu endommagé, on va dire. Et toi, si t'arrives à lui mettre un bon coup, en raté. Donc là, comme tu te recharges, tu tires tous les 10 ans. T'as intérêt de te planquer, vieux. Planque. Alors, recule, bouge. Si tu bouges pas. Ah, il était peut-être derrière le rocher. Tu vois, on va essayer de passer sur lui. Encore un caverne. Ah, il taillait. Il était pas frais. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer autrement en fait. 9-12, les amis. Ça sent la grosse loose. À moins que ils essayent de capturer la base, nos potes. Non. Ah non, ils essaient de la base. Ils capturent pas. Il a plus beaucoup de life non plus. Peut-être tenter hein, les mecs, hein. C'est peut-être notre dernière chance de victoire, dit-il alors qu'il a rien fait. Voilà, si tu tournes un peu comme ça, tu as une chance de... Ah oui, en sachant qu'il y a des artilleries quand même. Hein. Essaye de l'avoir là. Attends, lui là, des trucs qui font tatatata. Ah non, c'est l'autre là-bas. Allez, on sort, on retourne au garage, on va faire autre chose. Êtes-vous sûr de vouloir quitter cette bataille? Oui. De toute façon, la bataille est bientôt finie, donc ça devrait aller assez vite. Alors... Est-ce que j'ai un char chinois que je vous montre l'équipage, quand même, ce serait drôle. Je pense pas. Je pense pas avoir de char chinois. Si. Ah ouais. Ah non, même, c'est quoi? Ouais, non, c'est japonais. Non, c'est japonais. Qu'est-ce que je raconte? Les chars japonais n'ont pas de personnages d'animé. Là, c'est limite choquant, quoi. C'est limite choquant. Alors que si on prend les Russes, ils en ont. Alors... Est-ce qu'on reprendrait pas une dernière, hein? On en fait une petite dernière. C'est juste pour vous montrer ça, en fait. Après, je sais pas si on peut les voir autrement, les gars. Enfin, les gars, les personnages. Comment on peut voir ça? Opération sur l'équipage. Non,
ça on voit pas. On peut pas les avoir en... Comment est-ce qu'on fait pour... Ah voilà, dossier personnel. Ouais non, on les a pas en plus grand. Défaite, oui, c'était un peu... C'était un peu obvious. Enfin, j'ai pas perdu de sous, j'ai même gagné un tout petit peu d'XP. Pour avoir rien fait du tout, franchement, c'est pas... C'est pas très grave. Ouais, voilà, donc on peut pas avoir leur... leur voix. Non, on peut pas tester les voix en dehors du... de la caserne. Enfin, en tout cas, voilà, donc c'était rigolo. Qu'est-ce qu'on a dit? On s'en fait un petit avec le B1. Allez, on s'en fait un petit avec le B1. Ah oui, tiens, il a gardé le fait que j'avais mis le truc. Ah bah tiens, c'est pas mal, ça. Donc, télescope binoculaire. Combattre. Allez, une petite dernière. Et après, je rends l'antenne à Maxwello, qui devrait vous proposer un live de... Je ne sais plus, mais c'est un jeu en import japonais de dating, je crois, où on doit draguer des filles avec des boobs, je sais plus bien, mais un truc comme ça. Quand on pense qu'il est en train de jouer à Don't Starve en ce moment, c'est pas du tout le même genre, hein. Ce qui m'agace un peu, c'est le bruit à chaque fois de la hache, quand le mec tape sur les sapins pour ramasser du bois. J'ai l'impression qu'ils passent la moitié de leur journée à taper sur des sapins. Où sommes-nous? C'est quoi ça? Ah oui, il y a deux camps de départ. Leur base est de l'autre côté. Je ne connaissais pas du tout de cette map. Genre des dunes. Ouais, c'est des dunes. Hein. Je sais pas par où ils vont, les gars. On va essayer de voir un peu par où ils vont. On va voir par où ils vont. Il y en a qui vont par là. Il y a de l'artillerie. On va essayer de se dispatcher un peu. Comme d'hab, je pars après tout le monde, j'arriverai après la bataille, et je me ferai défoncer par les mecs qui restent. Graphiquement, j'aime toujours ce jeu, c'est franchement chouette. Hein. Les traces de chenilles dans le sable. Ça... Après, je sais pas combien de temps il reste. Hein. Si on voit toutes les traces... Non, parce que les gars sont passés devant moi, on a plus leurs traces, ça dure pas très longtemps. Enfin, déjà, il y a un bel effort quand même. Les mecs, je sais pas très bien qui me parle. Pas si long que ça, c'est bon. Alors, il y en a un petit qui est là. Bon, les mecs, vous avez de quoi vous occuper pour pas qu'il aille jusqu'à notre artillerie. Parce qu'un char léger, s'il arrive à... Il y a un gars là-bas. Derrière les mecs? Ah oui, ils sont déjà derrière. Genre. 1-2. Voilà, bon, ça a été vu. Ouais, lui va peut-être se faire des dames, ils sont. 2-3. Les mecs, j'arrive. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire, mais. Ah, c'est un mec qui arrive là. C'est un petit léger. Vers les autres. Je te défonce bien ta race. Je vais être un peu exposé à un moment, mais bon. Ok, lui là-bas. J'arrive pas à percer. On va peut-être pas prendre trop de risques non plus. Ah, on est déjà à 6-3, bah attends, si je suis. Moyen, hein.
J'arrive pas. Ah, le Matilda bébé. Ah, mais c'est un anti-char ça. Non, c'est un char moyen. Le Matilda qui m'a défoncé. Oh la loose. La loose. Vive les chars français, hein. Bon sang. Hein. Matilda, c'est quoi, anglais? Ouais. SOS, il dit le KV1. Bon, et les artilleries, elles sont peinardes, remarque les artilleries. Aïe 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 aïe. 9-7, ils reprennent du poil de la bête. Oula, alors là, il y a. Susne. T67, je sais même pas ce que c'est, ce talent. Un russe, ah ouais. Oh purée, le mec il a la même... Ah non, c'est un BDR G1B, c'est la version supérieure du mien, c'est ça, ouais, ok. Bon, retour au garage. Bon allez, c'est fait, défonce, 9-9. C'est très serré. Enfin voilà, c'était pour vous faire découvrir un petit mode sur World of Tanks. Il y en a pas mal, on peut aussi customiser la déco de ces chars. Alors si vous aimez My Little Pony, il y a plusieurs modes qui permettent de décorer ces chars avec des stickers My Little Pony. Bien sûr, il n'y a que vous qui les voyez, hein. Ça n'est que sur le client local, ça n'est pas sur le multijoueur. Si vous voulez des choses qui apparaissent en mode multijoueur, il faut évidemment les acheter, je ne sais plus où, enfin il y a quelque part une boutique où on peut acheter, non c'est pas acheter de l'or, je sais plus, enfin bref, on peut acheter quelque part, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. On peut acheter quelque part des trucs pour customiser ces chars, avec des petits stickers, des machins, c'est rigolo. Voilà, voilà, et bien écoutez, c'était... un petit mode rigolo. Alligato pour avoir regardé, et puis à bientôt. Bye bye.